Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rayman 3 Uldium Avok. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, on dira Rayman 3, ça se passera mieux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce jeu après cette intro fort sympathique. Je vais vous expliquer après la cinématique de départ comment ça va se passer, le temps, etc. On verra ça après. Mais avant ça, j'espère que vous êtes content de se retrouver. Malheureusement, c'est un jeu PS2, donc c'est un vieux jeu, Rayman 3 pour ceux qui savent pas. Enfin, un vieux jeu, ça fait un moment quoi. Apparemment, ça se relance, c'était pas prévu ça. Je vais aller dans les menus. C'est un assez vieux jeu, enfin c'était sur PS2 quoi, donc la qualité, je crois que ça va pas dépasser les 720. Donc je m'en excuse, mais sachez que le jeu est très bien, moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc on va faire une nouvelle partie, on va s'appeler Kuroto. Ah oui, ok, c'est pas en QWERTY. Alors... Hop, mais je suis très... c'est un zéro ça, comment on efface, comme ça. Hop, je suis très content de qu'on se retrouve sur ce jeu parce que franchement c'est rien. Ah par contre, ouais bon on va s'appeler Kuro, c'est bien Kuro. Hop, c'est un jeu que j'apprécie fort quand j'étais petit et je peux enfin vous le faire en let's play, enfin. J'ai décidé de le faire maintenant, c'était soit ça, soit Ratchet & Clank 2. Donc j'ai choisi ça, voilà, parce que j'avais très envie d'y jouer. Je vous laisse pour la cinématique de départ, on reparlera après. Thank you.
Bon, voilà, après cette cinématique, je crois qu'ils vont reparler après, donc je vais sûrement me retaire. Mais après cette cinématique, nous avons découvert nos deux personnages principaux. Oui. Nous avons retrouvé du coup nos deux personnages qu'on apprécie tant. Alors, enfin, je me remette à. Oui. Alors là, enfin, il va faire des tours jusqu'à ce qu'on récupère tous les looms rouges. Je crois que ça se dit comme ça. Et du coup, on a retrouvé Rayman et. Comment il s'appelle l'autre Pollux? Non, c'est pas ça du tout. Bon, on verra après comment il s'appelle. Je me souviens plus, j'ai complètement oublié le nom du monsieur. Et on a aussi vu notre méchant principal qui transformait les lumes rouges en lumes noires. Enfin, voilà quoi. Et c'était pas très cool. Donc notre but, bah, je suppose que ça va être de libérer les lumes rouges. Donc pour enfin de vaincre les lumes noires pour avoir pour que ça redevienne des lumes rouges. Et je dis lumes, mais ça se trouve c'est pas comme ça que ça se prononce. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas. J'ai pas joué à Rayman ni vu de vidéo dessus, donc les noms, voilà quoi. Hein. On va en pas parler des scores du niveau. Il y aura des scores dans les niveaux. Ça fera des scores pas ouf, hein, je vous le dis très clairement. On fera pas à 100%, on fait juste le jeu. Et aussi, on a plus de main. Ça, c'est pas cool. Je déconne, t'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Non, le prends pas comme ça. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le manuel. Il y a tout là-dedans. Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là. Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Brrr, tu parles d'un scénario. Soudain, le drame. André transforme les lumes rouges en hoodlums. Le monde est en danger. Ah, voilà. Là, ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Ah ça, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus. Surtout pour toi. Hop hop hop, au fait, j'ai oublié de te dire. Chacune de tes actions te rapporte des points. Tiens, regarde le compteur, je vais te montrer. Pousse-toi ma poule. Lorsque tu marques des points, le panneau s'abaisse et tu passes en mode combo. C'est là que ça devient génial, parce qu'en mode combo, tes actions valent beaucoup plus. Seulement, faut pas traîner, parce que le mode combo finit par disparaître si tu marques plus de points. Ah, dernier truc. Les points permettent d'acheter des niveaux cachés. Alors, essaye de faire le meilleur score, c'est pas le plus facile. Bon, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver deux ou trois trucs utiles. Tiens, là, il... Ouais, alors attends, tais-toi deux secondes, juste les touches me vont pas. Enfin, le joystick ne va pas, comment on fait? Je peux pas changer? Je peux... Est-ce que je... Ah oui, bah, option. Manette, tac tac tac... Alors je sais jamais, l'horizontale c'est où, c'est quoi? Je me souviens jamais, mais alors pas du tout. Alors attends, comment on fait? Voilà, comme ça, valider. Disque pour sauter, il faut utiliser la touche de saut. Ouais, j'ai fait la merde. fallait que je fasse l'autre, enfin fallait que je fasse l'inverse. Et avant que le mec il continue de parler, du coup c'était Globox qui s'appelait, je ne me souvenais plus. Par contre, je vais pas m'en sortir dans ces options. Hop, hop, voilà. Là normalement, on devrait être voilà, pas trop mal. Voilà. Alors là, pour l'instant, on peut taper qu'avec nos pieds parce que on a plus de main. Voilà, très clairement, c'est pas la folie. Il y a plein de petits trucs à ramasser, des petits collectables et tout pour avoir juste du coup des points qui nous permettent de faire des 100%, etc. Or, on n'a pas pris une 100%, du coup, pour l'instant, bah, on va les ramasser hein, quand on les voit, mais on va pas chercher à faire des combos de malade et tout. Hein. Voilà quoi. Je crois qu'il y a aussi des petits secrets, genre on peut ramasser libérer des... Je sais un peu le nom non plus, hein, forcément. On peut ramasser des petits personnages, et ces petits personnages, bah, ils nous débloquent je sais plus quoi si on les libère tous dans une zone. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, mais je suis pas sûr, je me souviens très peu. Et du coup, on part à la recherche de Globox. Alors, maintenant parlons des épisodes, parce que... Je vous ai dit qu'on en parlera après, je pensais que je parlerais pendant qu'on est en train de chercher Luce, mais comme il parle en même temps, j'étais pas très concentré. Enfin bref. Du coup, les épisodes dureront à peu près entre 30 et 40 minutes. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues non plus. Alors, est-ce qu'on peut... Oui, on peut planer, ça c'est cool. Ça, on n'a pas perdu ce pouvoir entre les Rayman. Et sans nos bras, on peut planer quand même puisqu'on fait ça avec nos cheveux. Et du coup, les épisodes dureront du coup 30 à 40 minutes. Hein. Le rythme de diffusion, ça sera...
ça sera tous les deux jours en fait, parce que il y a de let's play, genre une vidéo de let's play par jour. Si jamais il y a un jour où il n'y a pas de vidéo, c'est parce que j'ai eu la flemme ou un contretemps ou quoi que ce soit. Je vais prendre un petit peu d'avance sur le tournage, parce que je vais pas tarder à pu être chez moi pendant quelques jours. Le manuel dit que tu peux faire de l'hélico avec Oui, tes cheveux. je sais. L'hélico avec tes cheveux, ils ont fumé ou quoi? Mais non. Et du coup, je vais prendre un petit peu d'avance pour pouvoir vous filmer tout ça et vous monter tout ça avant que je parte. Donc il y aura quelques points d'avance. Déjà que là je tourne en avance puisque j'ai toujours pas fini ma recarte 8 de luxe. D'ailleurs ça change, hein. C'était tout fluide et là c'est tout flou. Mais bon, c'est pas. Moi personnellement ça me gêne pas. C'est pas. Ah, quand je monte là-haut, faut que je fasse le tour. Ça me choque pas tant que ça. Je vous avoue qu'au début je me suis dit, ah PS2, ah ça va être chiant. Non, finalement ça va à peu près. Il y a l'autre trou de balle là, je me souviens plus de son nom. Card pack tri et Globox. Hop. Alors attends, on va aller là-bas d'abord. Récupérer tous ces petits trucs. Donc ouais, on les récupère quand même, mais on part pas sur un 100%. Surtout que j'ai fait de la merde. Caméra! Caméra! Ça, par contre, les bugs de caméra, ça va être très présent, je pense. On va vite le constater déjà, ça vient de nous arriver. Et j'allais dire du coup. Ah oui, on récupère tout ce qu'on voit, mais bon, même si on récupère tout, je crois qu'il faut faire des gros combos pour vraiment finir à 100% pour avoir un score parfait, je crois, il me semble. Mais ça, pareil, je suis pas sûr, parce que. De toute façon, on verra si. Soit si on n'est pas à 100% à la fin de cette zone, c'est qu'on a raté des trucs ou alors qu'on a fait des mauvais combos. Je sais pas comment ça se passe. Parce que j'ai jamais testé le 100% en plus. Hop. Regarde, le concile des fées. Si tu veux draguer, je te déconseille l'endroit. C'est rempli de vieilles filles complètement Yeah. Oh, mais ce manuel est vraiment épatant. Il explique que les interrupteurs servent à déclencher des mécanismes. Non mais franchement, qui a écrit cette... 7. Ah. Bon, merci. Ah, je me souviens plus de son nom. Est-ce qu'on peut pas avoir son nom quelque part? Ah, attendez, il y a les collectables ici. Enfin, il y a les collectables des nombres de cages là qu'on libère des monsieur je sais plus quoi. Comment il s'appelait le monsieur qui a pas nous parlé depuis tout à l'heure? Ah, je me souviens plus. Je suis désolé. Je suis désolé. Déjà, je me souvenais plus de GoBox. Qu'est-ce que tu veux que je me souvienne de lui? Alors, on va aller là-bas. Et je voulais vous dire un truc. J'ai complètement zappé. Bon, déjà, on va réveiller monsieur qui s'enfuit! Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? C'est moi. Alors là, normalement, si je dis pas de conneries, il va Mais c'est la foncer bonne dans le mur. commode! Laissez-moi tranquille! Partez! Mais partez! D'abord, je suis invisible. Vous ne me voyez pas? Je ne suis pas là. Ah, d'accord. Change pas de pied, change ça de... Oui, t'inquiète pas, je gère. Dites, on peut faire ça à trois. De bonne heure en début de jeu. Moi je dis que ça cache quelque chose. Et on peut enfin redonner. Ah merde, je suis tombé. Ça c'est pas ouf. On peut enfin redonner des coups. Alors je crois que. Ouais, voilà. On peut faire des tirs chargés. Genre, je sais pas si ça s'appelle comme ça en détail, mais on peut faire des tirs chargés. C'est fort appréciable. Alors attendez. Il me semble qu'il y a une touche. Voilà. On peut. Voilà. Ah là, c'est bien ça. Ça on apprécie. Ça on apprécie très clairement. Ça va nous être très utile. Ok, rouler, ça fait perdre du temps, je pense. On ne fera pas ça pour aller plus vite. Et ça va nous être très utile de pouvoir faire ça. On va Bonjour pouvoir la taper les native, ennemis avec des petite boucliers et fleur, tout. comment t'appelles-tu? Rose? Moi, c'est Globox. Alors là, il y a un mur invisible, génial. Attends, attendez, j'essaye de fouiller un petit peu quand même. Genre, Tu me fais ouais, pas là, il n'y trop a rien. On confiance. va ramasser ça et on va avancer. De toute façon, on arrive déjà à la fin de la première zone. Ça va très très vite. Ça va très très vite. J'aimerais essayer de. Non, c'est une blague. Je peux remonter. Dis-moi que je peux remonter. Oui. J'aimerais bien essayer d'avoir un petit. Alors toi. Toi t'étais nul. J'aimerais bien essayer d'avoir un petit 100% pour le premier pour voir si c'est vraiment faut faire des combos de fou ou pas du tout. Oui. Je sais, merci. Rayman, t'as allumé la lumière. C'est beau. Eh ben tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants!
Évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent le concile des fées. Non mais là, c'est plus possible. Après Rayman 2, on m'avait promis un rôle d'artiste tourmenté qui trouvait l'amour avec une fille très... intelligente, oui, voilà. Bilan, je me retrouve à faire la mouche dans une série. Ok, on a vu un petit truc en bas, le méchant s'appelle André. Et j'ai oublié le nom déjà, je crois que c'était... Je sais pas si c'était écrit, mais voilà, voilà. Bon, zone terminée, 84% là. Est-ce que c'est parce que j'ai raté des petits cristaux, des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est parce que j'ai pas réussi à faire des beaux combos? Ça, je ne sais absolument pas. Nous devons rattraper André avant qu'il ne touche le cœur du monde. Donc André, c'est le méchant. Mais moi, je veux savoir comment tu t'appelles toi. Ce serait cool. Oh, attends. Est-ce que... Ah non, j'allais dire, je crois que j'ai ramassé avec mon poing, mais absolument pas. Oui, oui, j'arrive. Bon, on a raté déjà le 100%, donc c'est foutu. C'est clairement foutu. Alors là, on va avancer, mais vous allez voir... Ah putain, c'est vrai, il faut spammer. Vous allez voir que on va se retrouver à faire un truc après. Genre, je sais pas si on aura le temps, cet épisode-là. Est-ce que je peux me raccrocher là? Oui. Hop. Je sais pas si on aura le temps de le faire cet épisode là, mais vous allez voir, c'est très très cool. On va faire une sorte de surf, vous verrez. Mais ça, j'ai très hâte de refaire ça. C'est fantastique. Sans toi, tu n'y serais jamais arrivé tout seul. Mais oui, c'est un truc que j'ai. Je suis pas demain, mais j'ai comme l'impression qu'elle contienne quelque chose. Oui, oui, j'ai très envie. Ça m'a redonné très envie de rejouer au jeu, rien que de voir ça sur la pochette qui était derrière. J'ai eu très envie. Si André triomphe, il pondra Globox et il t'obligera à jouer de l'harmonica. Oh, il y a une vie en dessous, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas... Si, c'est ça, d'accord. Mais tu peux pas te taire un peu? Il est pire que moi. Incroyable. En brisant les tirelires, tu as ouvert la porte. C'est magique. C'est fantastique. Bon, il parle beaucoup, hein, comme moi d'ailleurs. Je sais. Eh mais j'aime bien parce que je vous parle de... Je cherche les touches et tout avant de commencer et c'est maintenant qu'il me le dit. Bon certes c'est maintenant que j'en ai besoin mais... Voilà quoi, c'est bon, je sais. Alors attends, je vais y arriver. Quoi? Il s'excuse au nom de toute l'équipe pour cet entraînement. Je cite, pas très fun. Je savais pas, ça c'est génial. J'ai pas vraiment besoin de toi, mais bon. Et j'ai beaucoup aimé le... La petite référence à Ubisoft. Comme c'est le créateur du jeu, du coup, je suppose. Le nain jaune, une fois que j'aurai transformé l'énergie du cœur en eau de Lums, je reviendrai m'occuper de toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, la lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Tenue de combat? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Ah non, Rayman, ça appartient aux Glooms. C'est peut-être dangereux. Hey, trop la honte. T'as plus qu'à essayer de voir comment ça marche. Donc oui, c'est bien Ubisoft, je regarde sur la boîte. Je ne sais, enfin, c'est pas que je savais pas, c'est que je m'y étais pas vraiment intéressé en fait. Donc oui, je savais pas. Alors là, on vient de tomber sur notre premier pouvoir. Alors c'est pas un pouvoir que je trouve ouf non plus. Alors dès qu'on a un pouvoir, forcément, il y a du temps. Hein. C'est pas un pouvoir que je trouve ouf ici, mais voilà, avoir des pouvoirs, c'est cool. Et si on fait un truc, ça fait pas une méga tornade, d'accord. Bon, et du coup, chaque pouvoir a sa propre utilité, pardon. La survie de tous les peuples en dépend. Et là, en l'occurrence, ça fait des tornades et c'est très appréciable. Et je crois qu'on a déjà fini la zone, encore une fois. Oui, et on a fait un 34%. Alors, à mon avis, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai raté une zone secrète complètement. je sais pas si je l'ai vu. André se rapproche du cœur du monde. Et que j'ai pas fait gaffe. Ou est-ce que faut refaire le jeu une fois après, ou je sais pas, je sais pas du tout. Alors, on commence à avoir des ennemis. Hop, hop,
Enfin, les vrais ennemis, parce que ce qu'on a eu tout à l'heure, c'était pas vraiment des ennemis, hein. Ils étaient pas bien méchants, quoi. Ils étaient là pour le fun. Ah, mais d'ailleurs, est-ce que faut pas que je ramasse les trucs rouges, là, les Lumso rouges, pour finir 100%? Parce que si c'est le cas, je comprends pourquoi j'ai pas fait 100% tout à l'heure. Je comprends, parce que si t'as besoin des... Ah, j'ai raté un truc en bas, attendez. Si t'as besoin des... Ah, mais non. Attends. Oh, je vais faire de la merde. Si t'as besoin des lumières rouges, ça veut dire que t'as besoin de perdre la vie, en fait. Donc ça me paraît bizarre, je sais pas. Ok, ça va s'y ramasser. Et oui, donc je sais pas si j'ai vu la zone et que j'ai pas fait gaffe, ou est-ce que je suis complètement passé à côté, on a même pas capté à la vidéo, je ne sais pas. Je n'en sais absolument rien. Nous sommes à combien de temps? Ok, on arrive bientôt aux 30 minutes. J'aimerais bien quand même faire le truc du surf avant la fin de la vidéo, ça serait plutôt fort sympathique. Ah non! Ah, j'ai fait la merde! Alors, vous avez vu ce qu'il y avait par terre? Vous avez pas eu le temps de voir, je suppose, parce qu'on a rien vu, mais normalement, si je dis pas de conneries, je peux faire... Bouge la caméra à l'aide du joystick analogique droit ou gauche et prends la photo en appuyant sur R3. Êtes-vous sûr? Non. Alors attends. C'est pas ça, je crois pas. Bah normalement il y avait une touche. Ah, c'est bon, voilà. En gros il fallait faire ça. Cette touche là permet en gros de zoomer, hein, comme vous pouvez le voir, et de dézoomer. Ce qui paraît logique, si tu zoomes, tu peux forcément dézoomer. Enfin, c'est plus pratique. Et en gros, si j'avais fait ça sur l'espèce de petit insecte qui brillait, ça m'aurait donné des points. Donc, je me demande si j'ai pas raté des insectes comme ça très réguliers. Genre, est-ce que. Non, c'est pas la merde. S'il te plaît, Rayman. Est-ce que ça. Ça compte comme étant un insecte? Je crois pas. Hein. Juste, c'est des faits. On s'en fout. Je pense qu'on s'en fout de ça. Mais j'aimerais bien pouvoir regarder en arrière parce que je pense qu'il y a pas de trésor. D'accord. Ok, avançons. Avançons. Le jeu, il veut pas. Que j'ai trésor, je comprends. Hop. Bon, ça c'est pas très compliqué, ça. Bon, je pense que vous avez compris, mais si j'allais sur la glace, hein, ça glissait, ça me paraît logique. Mais je vous le dis au cas où vous avez pas capté qu'il y avait de la glace. Ok. Non, et vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Oui, pour observer. Mais c'est maintenant que tu me le dis, toi, mais... Eh, mais ce jeu, il fait tout comme je veux pas qu'il fasse. Enfin, genre, il me dit les trucs après que je m'en fous, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça? Ok, des espèces de petits pics chelous. Ah, et on peut... Ah, j'avais oublié ce petit détail, on peut... Taper en volant, ok, très sympa. Alors là. Ah oui, ok. Ah oui, attends, alors attendez. Ok, j'ai capté. J'ai plus ou moins capté ce qu'il fallait faire. Il va falloir activer toutes les. Rayman, lâche-toi. Il va falloir activer toutes les zones ou seulement celles où il y avait André, je sais pas. Oui. Ah, et j'ai pas besoin du pouvoir, ok. Ou alors j'ai besoin du pouvoir, mais faut que je touche le truc, quoi. Je ne sais pas. Ah, j'ai raté. Ah, mais c'est pas par là en même temps. Ok, tout s'explique. Hop, mais je pense qu'il y a moyen de côté par là, je pense. Si on fait pas de la merde comme j'ai fait il y a 2 secondes. Donc je suppose qu'il faut que je fasse ça. Et ça... Ah, la caméra, t'es pas de mon côté là. Caméra, je peux m'accrocher à ça? Oui. Ah, bah j'ai trouvé André. C'est toi Mario Dear. C'est la fin du monde, oh. C'est insupportable. Mon dieu. André m'a touché le cœur. C'est la fin du monde. Le manuel dit qu'on peut monter par ici. Oui. Dis donc, je serais toi, je poserais ma démission et j'irai illico auditionner pour Spider-Man 2. Tu te ferais un max de thunes et personne te prendrait plus pour un lapin. Cool. Ah, attends, je crois qu'il y a des... Ouais. Il y a des trucs en dessous.
Bon, le début, je connaissais bien, je vous avoue. Enfin, je connaissais bien. Pas tant que ça, puisque j'ai fait un 38%. Mais je connais. Enfin, voilà, c'est pas. C'est pas bien compliqué le début, quoi. Donc. Ok. C'est pas très bien compliqué sur le début. Quand on va arriver sur les. Sur un niveau un peu plus loin, je vais galérer un peu plus. Hein. Là, pour l'instant, c'est un peu olé olé. Je fais un peu ce que je veux. Alors, toi. Ah, premier dégât. D'accord. Je savais pas que ça nous tapait ces trucs-là. Ah, et lui, il s'est fait écraser, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Hop. Alors, massons tous ces petits trucs. Alors, le jeu n'est pas très long. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Il est. On part sur une quinzaine d'épisodes, je pense. Un truc comme ce, dans ce délire-là. Et peut-être que sur la fin, je ferai un épisode un peu plus long. Peut-être. Je ne sais pas. On verra. Ah non, mais. Ah. Je voulais au moins faire le truc une fois. Oui, on aura le temps de voir, mais bon. C'est vrai que c'est assez chaud, je trouve, quand même, cette histoire d'insectes là. Parce que va les voir avant de les faire fuir, quoi. En plus, tu captes pas forcément. Ah, attends, fais pas de la merde, parce que je vais avoir besoin du pouvoir. Donc dépêche-toi, s'il te plaît. Hop, j'espère que j'en ai pas besoin de là-bas, ce serait con. Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air, oula. Ça s'effondre, il voit absolument rien. Mais oui, Hey Raymond, je suis là. Ok, je crois que Lobox il a fait de la merde là. Vous allez voir le dénouement improbable qui va arriver. Pour ceux qui connaissent pas le jeu. Et on a refini la zone. Enfin, quand je dis la zone, je parle du niveau, on va dire. Genre, c'est pas la fin de la zone. Bon, on va plutôt dire ça, on va dire la fin du niveau et pas de la zone, parce que la zone, on est encore techniquement dans. Mais oui, André. Allons demander au moine. Dans le truc. Et là, on arrive à la fin du coup de la zone. Enfin, de le tout cœur, le truc. Et là, la musique. Toutes les énergies du monde sont concentrées. Apparemment, André y a pas touché. C'est bizarre. Ah, oh là là, vous avez pas vu André? La boxe là, allez, grand entrée qui est bouchée. La boxe là, allez, grand entrée qui est bouchée. Sortez-moi d'ici ou je lui mords les tripes. Oh, bande d'idiots. Je m'en doutais. André, il est pas mort. On peut pas garder que la boxe près du cœur. C'est trop risqué. Rayman, Globox est ton ami, alors emmène-le auprès du guérisseur de la forêt Clairefeuille. Moi, je le connais, il saura comment éliminer André. Rayman, fais gaffe, André est un limche noir, il est... Limche noir. Ils sont des pervers. Il va sûrement refiler de sales habitudes à Globox. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Ah, on va plus l'entendre, ça va faire plaisir ça. Alors du coup... Ah, attendez. Alors je peux rien faire avec ça. Là on va arriver dans un truc très très classe, on va le faire. Je voulais m'arrêter là mais on va le faire quand même, hein. Je vais pas faire le salaud et puis j'ai envie de tester. Et donc voilà le dénouement improbable que je vous ai dit. Globox a avalé André. Du coup, bah, va falloir le faire sortir tout simplement, tout bêtement. Donc, c'est un peu le bazar. Alors, je vais lancer tout de suite. Je voulais vous dire 2-3 trucs que je vais sûrement zapper. Mais je vais lancer tout de suite parce que je vais tomber beaucoup de fois dans ce truc-là. À score du niveau 0%, c'est-à-dire que je pouvais avoir un truc là-dedans. Si je pouvais avoir un truc, je suis un peu dégueu parce que j'ai fait la merde. Bon, c'est parti. Alors, sachez que c'est hyper dur. Parce que, en gros. Le truc, c'est que c'est pas juste tu jump. En gros, faut que tu vises l'endroit où tu vas. Donc tu peux tomber relativement facilement, quoi. Et je kiffe ces trucs-là. Ce genre de... Ah, d'accord. Je kiffe ce genre de petites choses, je vous avoue. Alors, là, je fais pas trop d'ellipses. Pour le premier. Mais après, sachez que... Par contre, ça va être assez dur à gérer parce que je vais pas trop savoir où on en est parce que ça se ressemble un petit peu tout le temps en fait. Mais j'essaierai de vous faire des petites ellipses dans ces trucs là parce que je vais sûrement voilà, tomber régulièrement comme ça et comme ça recommence. Alors là, ça part recommencer au début. Mais si je galère dans certaines zones, je vous ferai des ellipses. Je vais essayer de voir comment je peux faire. J'ai raté un cristal. J'essaie de voir comment je peux faire, mais
j'aimerais bien vous faire quelques ellipses quand même, que ce soit pas trop chaud à regarder non plus, parce que j'arrête pas de tomber. Parce que c'est pas ça, voilà, là je retombe par exemple, là, boum. Ah non. Bah non, là du coup pas vraiment de coupure parce que le checkpoint est assez cool. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais déjà pour le premier je vous en fais pas parce que c'est le premier quoi, je vous laisse profiter avec la musique fort appréciable. Ouais, par contre c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Genre par exemple là je vous fais une micro coupure, mais bon c'est nul, enfin genre je sais pas encore comment je ferai. Hop. Mais j'aime beaucoup. J'ai raté. Oh non. Oh, je suis en train de tout rater à droite là. J'adore beaucoup le concept. Et arrête de tomber, remets pas là. Voilà, là par exemple, boum, coupure. Je vous fais pas de coupure, comme ça vous profitez bien du temps que ça va prendre. Surtout que c'est le premier, donc c'est assez simple. Donc on va dire que c'est. Ça va, c'est pas une grosse punition quoi. C'est pas une punition de rester avec moi, ça vous gêne? Là par contre. Non, c'est bon. Il y a le checkpoint qui est assez cool. Enfin, quasiment, je sais plus. Oui, si, ça va. On est juste à côté, hop. Hop, et je crois qu'on arrive quasiment à la fin. Ou alors ça va encore changer de... Ah non, j'ai fait de la merde. Et puis il y aura d'autres trucs après, hein. Vous inquiétez pas. Genre d'autres styles de mini-jeux dans ce style-là. Vous verrez, c'est assez sympa. Et non, ce n'est pas fini. Si, c'est fini. Ok, le vert vaut beaucoup de points. Ah non, c'est pas fini, non. Que dis-je? On a fait... Non, j'étais en train de me gratter le nez. Ah si, c'est fini. Non, je sais pas, j'arrive pas à... Oui, c'est bon. Bon, on aurait pu faire à 100%, je pense, sur ce genre de choses, c'est plutôt simple. Mais bon, voilà, quoi. C'était salé. C'était pas si terrible que ça. On n'a pas mis 100 ans non plus, hein, parce que je sens que les prochains, je vais mettre 100 ans. C'est qu'à retirer la jolie musique. J'espère que j'ai rien cassé. Musique, où es-tu? La ferme et sors-moi de là. J'ai soif. Rayman, faut vite que j'aille me faire soigner. J'aime beaucoup quand ils disent des petites références comme ça, en mode, parce que la musique... En soi, c'est pas dans le jeu, enfin c'est nous qui l'entendons pour mettre du truc, mais genre ils font des petites blagues comme ça, je trouve ça, j'aime beaucoup comme Ubisoft qui nous fait un, entre guillemets, un mot d'excuse quoi pour le tuto qui était long et pas très passionnant. Et les petits trucs comme ça, genre pareil, à un moment il y a une cinématique où on voyait le méchant partir dans le truc des fées là, et les sous-titres il y avait écrit. D'ailleurs, faut que tu dises que c'est André le méchant, son nom. Faut que tu suives un peu machin. Je me souviens plus de son nom, mais le petit papillon, je sais même plus ce que c'est. Je sais que tout le monde sait ce que c'est. Enfin, pour ceux qui connaisseraient Man, mais moi j'ai complètement oublié. Enfin, bref, on s'arrête là pour ce premier épisode. J'espère que le let's play va vous plaire. Alors, par contre, j'ai avancé un chouille trop. Du coup, j'ai des ennemis qui vont me tirer dessus. Mais en tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Du coup, prochain épisode, on part à la recherche d'un petit médecin. En gros, je pense. Je pense qu'on est parti là-dessus pour essayer de faire sortir André de Globox. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que ça va être assez drôle parce que André a soif. Du coup, il va falloir donner à boire à Globox pour que André puisse boire. Enfin, vous allez voir, il va se passer des choses assez cheloues. Enfin, ouais, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que le let's play va vous plaire. J'espère que je vais m'en sortir niveau montage avec pour les prochaines fois, parce que là j'ai pas vraiment fait de coupure, mais pour les prochaines fois j'aimerais bien faire des petites coupures, genre si je me fail, mais si je me fail pas tant mieux. Enfin voilà, j'espère que ça a plu, et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.